Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve une nouvelle fois pour la découverte d'un produit qui nous vient ici, alors non pas de chez FNR Stahl, mais de chez Cybergun. Cybergun s'est associé avec FNR Stahl et AEK pour nous sortir toute une gamme de M249. Et ici, on va se concentrer sur le modèle Mark II. Allez, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Déstockage Games qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir et vous la présenter. Et pour l'occasion, jingle. Déstockage Games. Et je sais pas combien ils l'ont payé celui-là, mais à mon avis, il est rentabilisé. Donc ce modèle de M249 MK2, issu d'une collaboration entre AEK, FNR Stahl et Cybergun, est vendu 349,99€ sur Déstockage Games. Vous pouvez bénéficier d'un code de 10% de réduction qui est dans la description de la vidéo. Voilà, ça vous la fait à peu près à 310€. C'est toujours ça de gagner. On dit merci desstockagegames.com. Cette réplique existe en noir ou en beige. Ici, c'est la version noire. Et je vous propose de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Si vous avez déjà vu des vidéos d'unboxing de M249 AEK, vous ne serez pas trop surpris. Allez. De la mousse qui protège bien tout ça. Je ne vois absolument pas ce que je fais, mais je vois tout de même qu'il y a ici des petites choses. Oh, ouf, ah, c'est érotique là ce que je suis en train de faire. Je crois qu'il a atteint les points G là. Oui, hop, c'est pas fini, il y en a encore. Bon, il y a des petits accessoires ici, deux petits outils en plastique qui vont permettre de régler le guidon. Et deux petits C-clips là qui vont nous aider, je pense, à fixer la crosse sur cette réplique. Alors pas de manuel ici, mais ne vous inquiétez pas, lorsque vous achèterez chez Déstockage Games, il y aura le manuel dans la boîte. C'est un modèle générique pour toutes les 249. Ici, on découvre l'ammo box. Alors quand je dis on découvre, là pareil, si vous avez déjà vu une 249 AEK, ce sont toujours les mêmes ammo box. Donc les billes vont sortir par ici. Nous, on va les faire rentrer par là, il y a une trappe. Ça s'ouvre ici sur le côté. On peut mettre 2400 billes là-dedans et elle fonctionne avec deux piles. Ici, il y a plusieurs modes. Off, auto, sound control et une petite prise de jack ici pour mettre une télécommande qui n'est pas incluse dans cette boîte. Et ce qui est fou, c'est que si vous achetez les modèles petit format ici, là, que moi j'aime bien, qui sont sur batterie et non pas sur pile, qui coûtent à peu près 50€, eh bien la télécommande est fournie. Perso, je préfère les petites, mais voilà, si vous voulez une grosse, prenez une grosse. Ensuite, il faut que je me décale. Il y a la crosse. Voilà. C'est bien la crosse du modèle Mark II, hein, en polymère. Il nous reste à sortir le gros morceau, et en dessous se cache une tige de nettoyage et de débourrage. Voilà, donc hein, la tige de nettoyage et de débourrage, le corps de la réplique. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais c'est une version qui est en polymère. Ouais, le corps est en polymère, le capot est en polymère. Bon, et le garde-main, bien sûr, est en polymère. Par contre, ça a l'air d'être renforcé, là. C'est pas le même plastique que la version budget que je vous avais présentée il y a quelques temps, avec la Gearbox V2 et tout. Ou ici, c'est la Gearbox type 249. Hein. Alors, a priori, la batterie va se mettre dans la crosse, là. Ça voudrait dire qu'elle s'ouvre. Et donc ça se mettrait comme ceci, ça. Effectivement, ici on a les goupilles qu'on peut retirer. Ok, bon, c'est pas léger, hein, ça fait 4700 grammes pour une longueur de 1050 mm. Donc on commence à être dans la réplique de soutien, mais assez massive ici. On est loin de la compacité de la M249 para. On va lui installer son ammo box ici. Et voilà, ici elle est complète. Alors elle passe plus dans le cadre. Ça va mieux comme ceci. Une fois que vous avez mis votre kilo de billes là-dedans, eh bien vous êtes prêt à aller jouer au maracas sur le terrain. Donc on l'a dit, la crosse est en plastique. Elle est équipée ici d'un support en métal qui va venir se poser sur votre épaule.
On n'est pas obligé de l'utiliser. Hein. Voilà. Elle est maintenue via deux goupilles sur un corps qui est en polymère. Alors, ici, on retrouve des marquages US Machine Gun, 6 mm M249, numéro de série, etc. FNR Stahl, Minimi, 6 mm, avec toujours le numéro de série. Et puis, c'est tout. Donc, le capot supérieur, ici, est également en polymère. La poignée pistolet est en polymère. Le pontet est en métal, ainsi que la queue de détente. Ici, le levier d'armement est en polymère, mais il est monté sur un rail en métal. Voilà, cette partie-là est en métal également. Donc là, si vous voulez mettre des fausses munitions, vous allez pouvoir, hein, à ce niveau-là. En s'ouvrant le capot, on découvre la gearbox, avec le changement de ressort rapide ici. Le réglage du hop-up s'effectue ici. C'est une molette rotative. La poignée de changement de canon ici, qui peut bien sûr être rabattue. Mais ici, elle ne se verrouille pas, parce que ça vient taper ici, au niveau du refroidisseur ici. Un immense garde-main en polymère, le refroidisseur en haut qu'on peut retirer normalement. Voilà. Ça, c'est du plastique également. Donc, si vous voulez jouer comme ceci, vous pouvez. Hein. Voilà. Et là, vous pourrez rabattre la poignée de changement de canon. Le canon externe est en métal. Il est orné d'un cache-flamme que l'on peut enlever. C'est du 14 mm anti-horaire. Il y a également une rallonge de canon ici que l'on peut dévisser. Alors, contrôlez son serrage lorsque vous recevez la réplique. Vous voyez ici, on a le long canon qui fait, je crois, 540 mm. Bien sûr, on a le bipied ici sous la réplique. On appuie, on le sort. Ça permet de se poser. Et on peut également régler la hauteur des pieds ici. On peut le basculer vers l'avant. Et on peut le remettre dans son emplacement, dans le garde-main. Voilà. Au niveau des organes de visée, on a une hausse ici qui est vissée sur le capot supérieur. Normalement, elle peut être réglée en hauteur et en dérive. Mais ici, en fait, c'est du plastique, hein, c'est du demi, c'est du faux. Donc ça ne bouge pas du tout. Même chose pour le guidon. En fait, vous avez les outils de réglage qui sont mis par AEK dans la boîte, mais le guidon est fixe. C'est une pièce qui est moulée, tout est en plastique et on ne peut donc pas la faire tourner pour la régler. Bon, ceci dit, la visée est relativement claire. Il n'y a pas de rail supérieur sur cette version. Vous ne pourrez donc pas monter un optique dessus en sortie de boîte. Alors, comment mettons une batterie là-dedans? Et de prime abord, je serais assez tenté de faire sauter ces goupilles, hein. Bon, bah, apparemment, c'est ce qu'il faut faire quand même. Par contre, on va avoir gros de place pour mettre une batterie. Du coup, ça me permet d'utiliser cette grosse batterie, là. 1800 mAh, 11 volts 1. Ça rentre, hein, on est large. Voyons voir ce que ça donne. Normalement, là, on doit être en safe. Le bouton de la sûreté est ici, je pousse dessus. Ça claque, hein. Bon, c'est pas fait pour tirer en coup par coup, mais on peut quand même mettre des légères impulsions. C'est un contacteur type porte de micro-ondes, hein, qu'il y a dans ces gearbox. Je vais mettre des billes et des piles dans la mobox et on va aller au chrony et sur cible voir ce que ça vaut. We'll be right back.
Ok, bon, vous l'avez vu, on est à 400 fps, voire un tout petit peu plus en sortie de boîte sur cette réplique. Si on reste largement en dessous des 2 joules qui sont légales au niveau de l'énergie en France, pour le milieu associatif français, 400 fps pour une batteuse, c'est trop. Souvent, on vous demandera d'être en dessous de 350 fps. J'ai mis un ressort M100 ATM là-dedans. On sort entre 344 et 348 fps. Là, c'est parfait. 19 billes par seconde, nickel. Et vous voyez, sur cible, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir faire du bon tir de suppression avec ça, même à une cinquantaine de mètres. Le hop-up a l'air assez efficace. En tout cas, là, il a levé de la 0,28 sans souci. Pour mes tests chroniques, j'ai utilisé ce type de chargeur. C'est un chargeur Stanag ATM, un chargeur en polymère, qui va pouvoir s'adapter ici. Voilà. Donc, si on est en panne de chargeur et qu'on a des collègues qui ont des M4, des HK416 ou what else, eh bien, on va pouvoir se dépanner si notre ammo box est en panne, si on n'a plus de billes. Eh bien, comme sur l'arme, ici sur la réplique, on peut utiliser ce genre de chargeur. Voilà, on aime le look ou on n'aime pas. Bon, en tout cas, ça dépanne. Donc, je vous l'ai dit, le ressort d'origine est beaucoup trop dur. Alors, il y a même un petit papier là, quand je l'ai enlevé. Je sais pas, c'est les gens de chez AEK qui essayent de nous faire passer des messages. Ils veulent s'échapper, je ne sais pas. Pour changer le ressort, ça ne prend que quelques secondes. On dévisse ici, on enlève la goupille. On fait basculer la crosse, on ouvre le capot, on met son pouce au niveau du guide de ressort ici, on pousse là vers l'arrière. On sort l'ensemble, donc ici le guide de ressort, monté sur roulement, le ressort. On change le ressort, bon bah là moi je vais remettre le ressort d'origine. On enfile ça. On pousse, on va entendre un clic, le tour est joué, on remet la crosse, la goupille, et on visse. Voilà. Une autre fonctionnalité très cool sur ces répliques, c'est le changement de canon rapide. Hop là, ici il y a un levier, je pousse, voilà, et là, qu'est-ce qui me vient dans les mains? Le canon externe, le canon interne, le bloc hop-up. On voit qu'il y a un joint orange à l'intérieur, avec un joli bourrelet. Et ce canon en laiton que je vais mesurer tout de suite. Écoutez, là on a du 6,05 mm. Intéressant. Il est lisse, il est poli, il est propre. Inutile de faire des frais pour changer ce canon. Hein. Que dire? Eh bien que pour le prix, moi je m'attendais à avoir quelque chose en métal et pas une réplique en polymère. Il faut se rendre à l'évidence, on n'est plus il y a 10 ans en arrière où effectivement pour 350 euros on avait le même modèle mais en métal. Je pense que ça, il faut l'oublier. Globalement pour une réplique en sortie de boîte, c'est pas trop mal. À part les 400 fps, mais bon, un ressort ça coûte 3 euros les gars. Ça prend 2 minutes à changer. Et là on arrive à sortir des billes à 345-350 fps de manière assez régulière et à tirer à plus de 50 mètres à la 0,28 avec cette réplique. On peut utiliser la grande ammo box, la petite ammo box, des chargeurs Stanag. Il y a de la place dans la crosse pour mettre la batterie. Dommage qu'on ne puisse pas régler les organes de visée, mais le fait que ce soit en polymère, eh bien si vous avez le dos ou les bras un peu fragiles, ben ça va être quelque chose d'assez sympa pour vous. Parce qu'on va vraiment pouvoir trimballer cette réplique toute la journée de manière un petit peu plus aisée que si elle pesait 8 kg. Donc si vous êtes gunner, que vous ne voulez pas vous fatiguer avec un truc trop lourd, eh bien c'est un choix alternatif parmi la multitude d'offres qui nous est proposée. Je vous ai dit ce que j'en pensais. À vous de me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires de cette vidéo. Racontez-nous vos expériences avec les LMG AEK. C'est pas une mécanique qui est nouvelle. Hein. Là, ce qui est nouveau maintenant, c'est un petit peu le tout plastique ou presque. Quel modèle avez-vous acheté et quel problème avez-vous eu dessus? Est-ce que ça tourne comme une horloge? Quel genre d'amélioration vous avez pu faire? Eh bien, dites-nous tout. On lâche un gros like et pour Destockage Games et pour moi, bah oui, parce que ça fait plaisir. Moi, je lâche un gros like à tous ceux qui font l'effort de commenter et de lire la description de la vidéo et également à tous ceux qui utilisent les liens soit d'affiliation, soit vers mes répliques, soit pour m'acheter des patchs, etc. Vous trouverez également le code de réduction pour cette réplique. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet d'en louper le moins possible. Et si vous ne voulez absolument rien louper, rejoignez-moi sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.lentredudingo.com. Il n'y aura pas de review écrite sur cette réplique parce que c'est une M249 AEK. J'ai déjà traité le sujet, il y a le démontage complet, il y a l'interne, il y a tout. Ici, il n'y a pas vraiment de plus-value à faire une review écrite. Donc, merci une fois de plus à Destockage Games. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bises.